Du coup, cette trêve nous a fait vraiment du bien à la tête, hein, parce qu'on est sorti sur une grosse défaite à la maison contre Aurillac. Et cette trêve nous a permis de laisser ce match derrière nous et repartir sur une année 2022 avec de nouveaux objectifs et de nouvelles ambitions. Mais ce week-end, on reçoit l'équipe de Bordeaux. Elle est invaincue. Elle a gagné ses 12 matchs. Donc c'est un gros morceau qui nous attend. Mais jouer contre cette équipe qui est première, c'est un grand challenge à relever. On est actuellement quatrième. On est qualifiable encore. Enfin, on n'est pas seulement qualifiable. Mais nous allons recevoir des concurrents directs. Comme dans ce bloc, on va recommencer par Bordeaux et Toulouse. Donc ça va être vraiment une seconde partie intéressante. Pour ce gros match, venez nombreux au stade du Rey ce samedi. On compte sur vous.